Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Je vous retrouve avec la Lila partie. Hein. Elle est pas partie, mais elle venait d'accoucher la semaine dernière. On avait mis beaucoup de temps. Et madame venait de mettre bas de son troisième enfant qui n'est d'autre que une petite fille qui s'appelle Sunset. Et qui c'est très jolie. Et qu'en plus, le chat YouTube vous dit bonjour. Et donc c'est gentil. Yo les copains de YouTube. Tu vas les border tous les deux tes gosses. Ah, la chambre elle fait pitié. Hein. Il n'y a pas de décoration et tout, c'est immonde. Il y a juste ce truc de cochon là. Coucou la YouTube Family 3. Coucou la YouTube Family 3. Ah vous êtes mignons, vous êtes gentils. Bon alors comme Lila elle dort plus beaucoup, mais je vais quand même la foutre au lit là. La question était également que comme dès qu'elle devient adulte, normalement, elle change de carrière. Elle a encore 3 jours de vacances, donc elle n'ira pas travailler pendant 3 jours. Rien à foutre. Rien à foutre. Mais elle va bientôt... Bah, elle a grandi. Donc je pense qu'on va la passer adulte. Ah bah... non, mais tu répares. En plus, ça va améliorer tes skills en bricolage. On est au niveau 4, donc c'est pas énorme, hein. On a fini la dernière fois l'aspiration. Donc on a nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 compétences niveau 8. Sauf qu'il faut que j'en ai 6 qui sont niveau 8. Et 2 qui doivent être niveau 10. Et pas parmi celles qui sont déjà à 8. Donc après, je vais quand même monter la logique. Ah, ça y est, l'autre a de gueule dans les escaliers, ça change. Et ouais, on est vachement loin en fait. Parce que j'avais réussi à monter le charisme, le bien-être. La logique, ça va être long. Oh bah la fusiologie c'est assez facile, hein, c'est assez rapide, hein, mais bon, on n'a pas embarqué la fusée de grand-papa, donc de grand-papa, attendez, oui c'est ça, de papy, non de papy tout simplement, Pulco c'était papy, je vais vérifier parce que je ne sais plus. Maman, papy, oui c'est ça, Pulco c'était papy, on l'a pas embarqué donc faudra en racheter une, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on tente la... Est-ce qu'on tente la fuséologie? C'est assez rapide à monter. Mais ça veut dire qu'elle va aller aussi beaucoup dans l'espace. Sauf si elle fait que les améliorations. Je crois qu'on avait fait ça. Comme ça, on l'a fait à monter à 8. Mais moi, après, je fais monter genre la méditation ou la cuisine. Enfin, les trucs. Ça nous fait une autre compétence à monter. Et ah oui, c'est le tricot, j'avais dit peut-être niveau 10. Parce que la logique et tout, c'est assez long. Donc, putain, par contre, meuf, va dormir un peu. Déjà, est-ce qu'elle doit travailler aujourd'hui? Oui, bah tu vas prendre un jour de congé. Allez. C'est tout un merdier. Ah bah, pour raison familiale, vas-y, ça te fait un jour de plus. Moi, je dis, ça me va. Je suis sûre que quand elle va partir, t'as la gamine qui va se mettre à pleurer. Parce que là, elle est réveillée. Quel body goal. En plus, elle pourrait la travailler avec les projets de ses gamins. Oui, aussi, ouais. Faut qu'il se soit un projet de la fuséologie, hein, évidemment. Ah non, c'est le printemps. C'est le jour de la mûre. Ah bah, c'est automne qui a faim, maintenant. Alors, avant de hurler, toi, viens ici. Tu viens là, je vais te donner à bouffer. Comme d'hab, oh, la gamelle par terre. Tiens, tu vas manger des proutes. Cul-cul-vous. Salut Théo, comment tu vas? Ça va vite la fusée. Ouais, ça va vite la fusée. Je pense qu'on va faire ça. On a de la place dans le terrain. On va faire une magnifique... Oh! Oh! Un petit cristal! Qu'est-ce que tu fais, toi? Rencontrer ta nouvelle... Oui. Tu peux dire bonjour à ta petite sœur. Tu peux. Cucu Théo. Elle est partie. Ouais. Donc, on va faire ça. On va tenter la fusée. Ça va faire beau, tiens, dans le quartier, hein, ça va être super. Mais bon. Ça marche, hein. C'est qu'on n'a pas. On peut faire la fusée qu'on veut. Donc, fusée en kit. Est-ce que tu l'as en violet? Non, tu l'as en bleu. Bon, bah, tu la feras en bleu, hein. Écoute, même. Qu'est-ce que tu veux faire? Genre, les voisins, ils vont passer là, ils vont se dire: oh, une fusée dans le jardin! Normal. Normal.
Je pourrais monter la peinture au niveau 10, je crois qu'elle doit pa passer artiste en 2 adulte. Oui, mais bon, en fait, on n'a pas d'objectif de carrière. C'est pas un impératif de monter au niveau 10, tu sais, au niveau carrière en tout cas. Donc c'est pour ça que, genre là, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle n'a pas été bossée, vu qu'elle était en cloque tout le temps. Donc elle n'a pas été bossée depuis un moment. Mais on s'en fout. Elle a 3 jours de vacances, elle les prend. Et peut-être lancer un quatrième enfant. C'est le chat qui va décider. Bah, moi, j'ai entendu gamer, petit chien chien. Mais oui, mais écoute, regarde, elle est contente. Attends, elle est dans son caca là, mais elle est contente. Par contre, elle est tristoune. Perd un grand-parent. Ah, petite sœur. Petite sœur. Tiens, viens, viens, viens. Toi, tu t'es pas occupé de ta fille. Voilà. Putain, mais alors lui, il est gaulé aussi, laisse tomber. Il est quand même un peu moins sexy qu'Iowa, mais. Il a de la gaulitude, hein. Oui, bah, t'iras pisser après. Chouchou, Oh, chouchou, chouchou. Ah, la chouchou, chouminette. Oh, hum. Voilà, la fille, ça va mieux. C'est rigolo, ça. J'appâte Toto. Ah, Toto. D'accord, j'avais pas compris. Elle a 3 mioches, c'est du taf. Je dis où pour bébé 4, j'adore te voir souffrir. Surtout que. Je dis ça aussi pour YouTube, si vous voulez nous rejoindre un jour sur Twitch, hein, vous inquiétez pas, c'est gratuit. Hein. En tout cas, le follow est gratuit, c'est comme sur YouTube, c'est juste du live, quoi, voilà. Avec un replay dispo pendant 2 semaines. Mais quand, soit, je sais pas, le Note Soberry ou le Legacy sera fini, donc on a encore du temps, eh ben, je referai le challenge 7 bambins en live. Parce que je l'avais déjà fait sur ma chaîne YouTube, qui a été ma première vidéo d'ailleurs, mes toutes premières vidéos, c'était ça. Mais va bouffer, je t'ai dit, toi. T'as faim, va bouffer, idiot. Et donc, sauf qu'à l'époque, j'avais pas le kit être parent. Déjà que 2 ou 3 bambins, je pète un câble, imaginez 7. Donc ce sera que du live. Alors peut-être que ce sera tellement vulgaire que je suis pas sûre que je la mettrai sur YouTube. On verra bien. Ah mais je le ferai, on s'est dit qu'on allait le faire, que j'allais le faire en live, parce que comme ça vous pourrez me voir m'énerver et m'effondrer goutte à goutte à chaque seconde qui se passera. Mon Dieu, tronc de bambin. Ah non mais oui. Mais encore à l'époque où il a été créé, il n'y avait pas le kit être parent, c'était beaucoup plus Cucu tous le facile. monde, cucu Shirley, passage rapide, mon chéri travaille pas ce soir, visage souriant, cœur. Des bisous Niri. Et des bisous. Alors, fais-le refaire. Ah oui, fais-le re alors fais-le refaire. Oui, bien sûr. Salut Céline, comment tu vas? Faut le refaire. Ah oui, c'était pas français ça. Le 7 bambins challenge. Évidemment, le 7 bambins challenge quand même. Parce que à l'époque, même si je m'énervais un petit peu sur mes sims, j'étais moins franche que maintenant. Alors, ça risque d'être de faire très très mal aux oreilles, hein. Ouais. Oui, rigolo en live, oui, pour vous, ouais. Moi, je pense que je m'arracherai les tifs. Hein. Tiens, tu peux faire ça. Et vu qu'elle travaille pas, par contre, il va aller au boulot, lui. Est-ce qu'ils peuvent ils peuvent pas tirer un petit coup avant de partir? Parce que je pense que vous allez me dire oui pour un quatrième enfant. Donc, s'ils pouvaient le faire à maintenant, ce serait pas mal. Un petit quoi, partir au taf, là. Allez! On en gros, ça. Non, elle vient d'accoucher le matin, on va lui laisser passer une journée quand même. On va laisser son vagin en repos. Son utérus plutôt. Oh, même la pauvre. Le machin, il doit être en bouillie, quoi, à l'intérieur. Ah, la poupette! Tiens, tu vas. Eh! Et si tu pouvais faire un niveau 10 en éducation, ce serait pas mal non plus. Je connais pas ce challenge, j'ai l'air marrant. Bon, en gros, t'as un adulte et 7 bambins et tu dois les gérer. Voilà. Mais je peux te dire que, mon Dieu, hein. Sans être parent, c'était déjà du sport. Hein. Pouah! Quel enfer! Plante la graine avant de travailler. Non, non, je vais faire. Si tu veux souffrir, tu peux faire sans bébé. En tout cas, jamais. Paulinette, ça a déjà été un débat sur cette chaîne. Non, jamais je le ferai, ça. Non. En plus, je trouve ça pas intéressant. Donc. Oh, Chantal! Chantal Caillou! Allez, va bosser, Dani. Ramène à bouffer, à Boostify, là. Nous, on va s'occuper des chats. Non, allez.
Elle est choupette comme ça, la petite. Tu vas lui apprendre la vie après ta gosse. D'accord? Allez au travail. Je clique sur la gamine, il y a aller au travail. Qu'est-ce que... Elle pleure pas, hein, parce que là, on va apprendre à dire des trucs. Hein. Tu vas lui apprendre la vie à ta gosse. Hein. À dire pardon, merci, va te faire foutre et fermer ta gueule. C'est ce qui se dit dans les magasins, apparemment. J'ai trouvé un autre challenge aussi sur le site Histoire et Challenge Sims 4. Ah, mais il y en a des... y en a plein. D'ailleurs, tellement de challenges qui existent sur Sims 4. Exact, ouais, ouais, il y en a énormément. Après, il y en a qui sont plus ou moins bossés, il y en a qui sont plus ou moins intéressants, tu vois. Après, chacun y trouvera son compte. C'est un peu noyé dans la masse, en fait, c'est un peu dommage. Quand tu dis Chantal, je pense au Chantal... Oui, mais oui, bah, t'as Chantal qui parle ici sur Twitch, et puis t'as d'autres Chantal dans le jeu. Okay. Putain, je me demandais c'était quoi qu'elle avait dans les cheveux. C'était son piercing qui perçait dans la... à travers sa mèche. Oh là là. Allez, apprends-lui la vie à ta gosse parce qu'elle est pas foutue de dormir tranquillement. Ah, non, elle est. Ah, puis elle doit pisser sa mère aussi. Tu iras la prendre en pisser après. Ah, automne! On verra bien hein, ce que ça donne plus grand. Hein. Attends, j'ai pas suivi. Pardon. Chantal de Twitch au rapport agent 21, boule agent 21, Kitty Corn. Kitty Corn. Et ouais, Chantal est toujours là, hein. Notre Chantal. Ouais, je l'ai piqué, hein, parce que d'autres streamers qui l'utilisaient, mais ça me faisait trop rire avec son accent, donc... Je la trouvais beaucoup plus fun que la, bah, la Céline, alors je suis désolée pour toutes les Célines, hein. Mais la voix FR, elle s'appelle Céline, je crois, donc... Et elle est vraiment enterrement, quoi. Tu l'écoutes, t'as envie de t'enterrer. Alors que Chantal, elle est rigolote, au final. Oh, tais-toi, Sunset. Ça y est, je commence à les comprendre. Ah, puis ça pue le barbecue, là. Berk. Ça pue. Alors, je vais fermer ma fenêtre, je reviens tout de suite. La dernière fenêtre ouverte, parce que ça pue. Oh, je marche au ralenti. La vache. Hop là. Puis comme ça, vous avez les cris. Ça va, mon tillon? Ça va, mon tibé, didouchou? Chantal, siesti, siesti, douche. Siesti, siesti, douche. Siesti. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez voir le bambin. Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, mais c'est... Non, 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 non. Viens ici. Allez, ça... Ah, ça pue. Tu vas bouffer dans la gamelle du chien. Pareil. Hop, allez. T'en es combien ton éducation la cocotte? C'est où? Putain, ça pue. On arrive presque au niveau 9. Ça, c'est bien ça. Alors, apprendre à aller sur le pot automne. Allez. Dépêche-toi, cocotte. Oh, en plus, comment t'as pu dire un truc que ton bébé n'apprécie pas? Il comprend même pas ce que tu dis. Il est trop débile dedans. C'est pas fini ça. Hein? Comment il peut dire: oh non, je n'apprécie pas ce que tu m'as dit. Quel est le fuc? Oh, il galope, lui, hein. Tu vas pas grandir, toi? Dans 2 jours! Oh là là! Dans 2 jours, déjà, notre petit copeur, il va devenir un enfant pour mettre de la peinture partout! Ouais, va manger dans la gamelle du chien aussi, ma petite. On dépêche-toi, j'ai du taf à te faire faire, hein. On a des compétences à bosser, hein. Bonjour, madame. Non, bah, au revoir madame. Alors, la logique, on peut pas... j'avais dit quoi? Je sais plus. Enfin si, la logique, on est bien placé quand même. Pff, 2 niveaux, ça me paraît inconcevable. Et puis en plus, on n'a même pas la table de machin. La fusée! Je suis con, j'avais oublié la fusée. Oh bah les bambins, bah voilà, le copère dans 2 jours et elle dans 5, si, j'imagine, parce qu'elle a été faite après. 6, voilà. Et Sunset, elle a été accouchée la dernière fois vraiment en fin de live, donc bah, elle vient d'arriver, quoi. Elle est toute neuve. Putain, mais regardez-moi ces gosses, là, ils bouffent pas. Attendez, c'est où, c'est là? Non!
Non, tu. C'est qui a pas bouffé? Oh putain, et toi t'as pas pissé non plus? Ah purée, j'en ai marre. Eh, va te coucher, tu me saoules. Allez, hop! Toi viens bouffer. Manger haricots saucisses. Petit bonhomme. Petit bonhomme. Ça fait trop plaisir, elle a dû bien grandir. Moi ça va, est-ce que dans quelques jours. Ah, pardon. C'est pas. J'ai pas vu que c'était. Tu voulais pas mettre la nouvelle du pack serveur. Ah oui! Ouais, on aurait pu y penser tout à l'heure, mais c'est pas grave. Bon, pendant ce temps-là, elle va faire sa fusée. Moi, j'ai les chiens à gérer. Pour l'instant, il n'y en a que deux. Bon, ça va, là, il est calme, là. Allez, viens, viens construire une tour. Et après, tu feras ça. Et puis après, tu iras babiller. Non, faire un câlin, parler, et qu'est-ce que c'est? Voilà, lui, il est plus calme déjà, hein, voilà. Niveau 3 de la physiologie. Ouais, parce qu'on avait vu dans les trucs de Batou, là. Lila, il y avait une coupe de cheveux qui était assez intéressante. Et aussi, peut-être pour ses filles. Parce qu'il y a une coupe de cheveux à la base qui est dégradée. Et du coup, la base, elle est orange. Mais après, ça se finit en violet. Je m'étais dit, ça peut être très bien pour leur fille. Pour ses filles, pour qu'ils fassent le lien, en fait, du prune et orange. Voilà. Il faudrait qu'on essaye avec Lila. Bon, là, elle vient de changer de cheveux, hein! Elle a été relookée quoi la semaine dernière? Il y a 2 semaines, je sais plus. Pour sa prochaine carrière, c'est imposé ou pas, car tu pourrais faire astronaute. Oui, c'est imposé. Tout est imposé, on n'a pas le choix, Linette. Ah, je croise les doigts pour toi, Céline. Et re-cerisier, est-ce que c'était bon? Qu'est-ce que tu as mangé? Vas-y, fais-nous envie. Pain. Lui bosse. Qu'est-ce que t'as? Non, on travaille pour nous. Pour l'instant là. Une tour se construit, une fusée se construit. Ah, regardez, il y a des cristaux. Ayowa! Il y a des cristaux pour toi! Peut-être dans une autre vie, il viendrait. Oh putain, toute la bouffe! Bon, elle est pourrie, mais. La bouffe. Ah, il y a un calcaire! Ayowa! Viens chercher! C'est qui ça? Ikino Taylor. Alors là, avec un nom comme ça, c'est forcément peut-être quelqu'un que vous avez fait vous. Et Patrick Garner. Patrick, quel beau prénom, très tendance chez les enfants en 2020. Hein? Un truc de lentilles, du pain et du beurre, et un éclair au spéculoos. Alors, j'en ai. Non, j'ai fini mes lentilles, moi, hier. J'avais fait des lentilles avec saucisses et carottes. Et lardons de bacon. Et là, j'ai changé. Là, j'ai fait du riz avec des pois chiches et des tomates. Du coup, j'ai gardé le jus des pois chiches. Vous-même, vous savez, le jus de pois chiches, ça va devenir quoi? La mousse au chocolat, les enfants. Je l'ai pas encore faite. Je verrai peut-être après le live si j'ai le courage de faire monter le jus ou pas. Ah, t'es chiante! Ah bah, on va te faire la totale. Allez, tu cherches à te faire. On va te faire la totale, là. On va faire un peu d'harcèlement, là. L'éducation au niveau 10, moi, je te le dis. T'auras de facile, là. La base est l'anti-carotte lardon. Ah oui. J'ai du mal toujours à manger ça, alors que je sais que c'est bon, que je me régale, mais je sais pas pourquoi. Après, ça va être l'anniversaire de Lila. Oh, on va se faire un gâtal. On va se faire un gâtal. On va se faire un gâtal. On va pouvoir inviter toute la maisonnée. Alors, est-ce qu'on peut avoir un gâtal violet? Non, on va faire un gâtal rose. C'est presque pareil. Patrick, le prénom le plus cool du monde, évidemment, comme Marcel et Bertrand. Ben oui. Le jus de pois chiche pour du fondant au chocolat. Non! De la mousse au chocolat. C'est quoi la prochaine carrière du coup quand tu pourrais faire une compétence en rapport avec la prochaine carrière? C'est artiste.
En Guérant, j'avais un de mes fils dans le Ugly to Beauty Legacy Challenge que j'avais appelé en Guérant. C'était le fils de Lorelai d'ailleurs, donc c'était la première génération. Il était dégueulasse. Il était immonde. Il était mal gaulé à cause de son père et il était moche à cause de sa mère. Il était vraiment dégueulasse en Guérant. Chez moi ce soir, c'est concombre et poisson à la parisienne avec des tagliatelles et des pommes ou du yaourt. Oh, putain, il y a trop de choses, trop d'informations. Ouais, il est rentré! Qu'est-ce qu'il y a? Elle est dure la vie, hein? Ouais. Il a besoin de se divertir. Ça tombe bien. Il y a tout un programme pour se divertir, les enfants. Fais gaffe, tu dois faire s'entraîner à faire un discours. Allez, tu vas t'entraîner à faire un discours. C'est pas essentiel pour lui, hein, mais tant qu'à faire. Voilà. Elle aussi a besoin de divertissement. Bon, il y a une douche à l'étage, ça fera l'affaire. En ce temps-là, lui, il fait ça. Non, non, mais tu vas venir à la maison, Nunu. T'inquiète, on va faire l'anniversaire. Tu t'occuperas. Tu rencontreras tes petits enfants. Elle, je te surveille parce que tu vas me faire un sale coup avec les. Ah si, j'allais dire, on a rien pour manger, mais en fait, si. On a. Oh putain. Bon, on va le mettre là, tout va bien. Le vase au milieu par terre, comme ça. Pour recevoir, mais on a une toute petite salle à manger. Pas beaucoup de monde, mais c'est toujours ça de prix. Alors, toi, t'arrêtes ton discours, hein. Voilà. Vous allez vous mettre en jambes là tous les deux, là, exprimer son affection. Ah, c'est le jour de l'amour! Ah oui, faire crac-crac dans la douche, oui, c'est exactement ce que je voulais faire. Dis donc. Caresser la joue. Faites-vous des mamours là, roulez-vous des pelles. Chauffez-vous. Et puis, vous allez me prendre une douche. Et le petit, il joue, il est content. Ah, et puis t'iras sur le pot après, mon petit, parce que t'es grand, donc tu peux faire le pot. Par contre, je vous ai pas demandé de faire des grimaces, hein, vous deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Salut Nadine, comment tu vas? Ça sent le crac-crac fertile. On va tenter le coup, hein. Ils ont besoin de divertissement, qu'est-ce que tu veux faire? Ah! Pardon. Un petit crac-crac non protégé, oui. Bah pourquoi ils devraient se protéger? Ils sont en couple, ils sont mariés. Tu te souviens du corps d'Enguerrand? Ah, tu l'as vu, Camille? Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui était là à l'époque, je faisais le ugly, donc. Mais Enguerrand, franchement, elle était dégueulasse, hein. Oh la vache! Oh le bazar! Bon, vous y allez ou vous attendez la cinglinglin là? Parce qu'après, il faut appeler la famille, hein. Ça y est, ils y vont. Pendant que. Petit copeur fait caca. Et tu vas sûrement pas demander de la... Laisse ton père gérer ce qu'il doit gérer, là. Là, il a un truc vachement plus intéressant. Il t'expliquera plus tard, tu comprendras. Que c'était beaucoup plus intéressant de faire ce qu'il va faire que de t'occuper de ton caca. L'air concentré de cet enfant. Je me souviens, il est pas très beau. Bah oui. Si on veut un quatrième gosse, faudrait pas qu'il mette une capote si est-ce plus compliqué sinon. Ah bah ça, c'est sûr, hein. Je me souviens, il est pas très beau. J'avais regardé le Ugly to Beauty, mais après que tu l'aies fini... Ah! Ouais, mais il y a pas beaucoup de monde à l'époque. J'avais pas beaucoup d'abonnés. Beaucoup pour d'autres et pas beaucoup pour maintenant, je veux dire. Voilà, après, il y en a qui disent, putain... Chaque fois je dis un truc, je sais qu'il y a des gens qui vont me critiquer derrière, alors hein. Chut. Hein. Ça se passe bien. Alors, tu vas... ton suppu, c'est là. Tac. Clac, clac. Voilà, comme ça, elle a réussi le jour de l'amour, ils ont niqué le jour de l'amour, en même temps c'est normal. Ah oui, la petite, elle pleure. Papa. Viens, papa, viens. Alors. Ils sont dans leur jalousie. Exactement. Fête d'anniversaire, on va fêter l'anniversaire pas de Lila. Je peux pas le faire. Merci Shana da Silva pour ton follow. Pourquoi je peux pas. Elle peut pas le fêter elle-même. Pas compris.
Quoi? Pourquoi tu peux plus? Allez. Ça, ce sera la miniature. Oh! Bébé 4 en route! Bah, j'espère. Enfin, je sais pas si j'espère. Oui, c'est bon! C'est bon. Non, c'est bon, vous avez pas besoin de lui dire. Mais va prendre une douche, là, tu pues. Ah! Bah, du coup, c'est toi qui va prendre, qui va faire l'événement social, mais tu connais personne de la famille, toi, comment tu vas faire? Pourquoi on peut pas lui faire faire son anniversaire à elle? C'est débile. Le feu d'artifice, la tronche. Peut-être que tu peux pas fêter son anniversaire parce que c'est qu'elle est enceinte. Bah non. Ah, ah. Mais du coup, elle va clignoter pendant 4 jours. Va vers là, toi. Va pas regarder ta mère qui est en train de... Bon, bah, on va remettre le gâta là. J'ai oublié. J'ai pas pensé. Merci beaucoup, Erwen, pour ton follow. Bienvenue à toi. Ah, j'y ai absolument pas pensé. Bon, bah, ce sera dans 3 jours qu'elle deviendra adulte. Hein, Mais oui, j'avais oublié qu'elle vieillissait plus. C'est débile. Après, je peux l'enlever avec le MC Com Center, mais bon. Ouais, va te courir partout, toi. Mais pas dans... Mais elle est où? Mais elle a pas pris sa douche! Mais t'as un problème, toi. Hein. Préfère bouffer du gâtal. Ça, c'est les envies de femme enceinte. Elle a envie de puer, mais elle veut quand même manger du gâtal. Bon, tu nous refais une petite fille? Avec des bons oeils comme toi? Mais quelle nounou cette meuf. Fais gaffe, Marie, hein. Ou je te purge. J'espère que ce sera un gars. Non, moi pas. Sinon, ils seront disqualifiés. Ça dépend. Faut voir comment ils grandissent, hein, s'ils sont beaux ou pas. Bon, bah on se fait chier, là. Allez, on va accélérer le temps, parce que merde. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire à bouffer, du coup, un peu, servir le dîner. Chili. Snack, snack, la vagin 21 boules. Putain, ils ont fait un élevage d'assiettes qui pue ici, là. Ah, merde, c'est le PC que j'ai pris. Mais non! Mais je voulais pas prendre le PC, je voulais prendre l'assiette qui pue. Il est con, ce... Voilà. Après, tu feras la vaisselle, toi, tiens. Que tu te rendes utile, un peu. Ah, ouh, ouais, je m'amuse dans mon bain, ouais, c'est trop bien. Non, c'est Copper, avec 2 P et 1 O. Je dis que c'est une fille et un garçon. Oh putain, tu sais, les jumeaux sont rares chez moi. Enfin, ils sont un peu moins depuis quelques mois, mais pendant plusieurs mois, ça a été le désert total. Lila est fille de jumeaux. Enfin, et jumelle, je veux dire. Radhi est jumelle aussi, mais... Elles ont pas pondu de jumeaux. Comme quoi, c'est pas héréditaire. J'allais dire, mais... Kyle, de notre Legacy, est jumeau aussi avec sa sœur. Les héritiers jumeaux, ça commence, hein. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux quoi? Oh, et tu vas vider la machin, toi, hein. Sale mec. Toi, arrête de parler dans le vent et fais ta cuisine. Peut-être maxer la cuisine. Ah bah voilà. Et c'est une blague. Vous avez bien vu qui a... Il y a un bug avec la cuisine. Il y a un bug, les enfants. J'étais en train de regarder, on était loin quand même. Hein. On était loin du niveau 9. Hein. Et ben on a dépassé de 13%. C'est normal. Allez mon petit, viens manger. Viens manger. Et la petite aussi. Oh, la petite, elle crève de faim, donc tu viens manger. Viens manger. The soul is sunlight, des tropiques. L'amour se raconte en musique. Ce serait bien des jumeaux, on verra bien. La jumélité saute une génération IRL. Bah, ça, j'en sais rien. Je me trompe toujours pour ce gosse. Ouais, c'est Copper, pas Cooper. J'avoue, ça se joue à pas grand-chose. Ça saute une génération, là, la génération orange, il va nous faire que des jumeaux. Bah, il faut, hein.
La génération, les enfants de la génération orange doivent être des jumeaux. Donc on sera obligé. Je serai obligé. Il faudra que je triche et tout. Salut Quentin, comment tu vas? Salut Tiffen, salut Oshkyo, comment vous allez? Et bienvenue. Par contre, mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qu'il fait? Courir partout. Non mais c'est bon, en fait, va bouffer, pauvre gosse. J'ai pas vu qu'il courait encore partout, ce pauvre gamin. Les gamins sont d'une tristitude, là. Et eux, là, ils bouffent, c'est comme les gens au restaurant. Ils sont ensemble, mais ils discutent pas. Partagez... Oui, il dit que t'es en cloque, quand même. Ah oui, on va lui faire travailler un peu ce qu'elle peut travailler en discutant, c'est vrai. Médicaux. Pas de bricolage. Et surtout le charisme et les énigmes. Le charisme, on avait réussi au niveau 8. Ouais. On va reparler de bricolage parce que c'est pas mal, hein. Ça peut. Oh. Sunset, arrête de te chier dessus, ce serait cool. C'est papa qui va le faire. Ah, j'ai raté Eliosk. J'ai raté Eliosk. Ah oui, je t'ai pas vu, t'étais juste en dessous, Quentin, excuse-moi. Comment tu vas? J'ai un gros rush sur les Sims 4 à la fac. Ah bah, je suis désolée, Quentin. Après, je suis pas une... Je travaille pas chez EA, donc... je veux bien essayer de vous aider pour vos bugs, mais... Je suis qu'une joueuse comme vous, quoi, donc... À chaque match, j'ai toujours des bugs. Bah, on avait bien Lila qui arrivait plus à dormir, hein, la dernière fois, donc... Allez, va te prendre un bain. Après lui, il est fatigué, il ira se pieuter et on aura la pépé. Oh merde, elle est debout et tout. Tu peux pas aller... Oh, tu iras jouer un peu. T'as besoin de jouer, là. T'es pas bien, là. Lui, rien à foutre, hein. Il bouffe son chili, il se dit non, mais... Je m'en fous que tu cries, ma fille. Bon, Lila, ça va. Elle tient. Elle tient bien la route, là. Pas de soucis, pas de soucis. Bah, merci, c'est gentil. Ben oui, bonsoir à tous les arrivants. Je pense que j'ai réussi à réparer mon jeu comme ça. Je vais essayer de trouver une famille pour nous. Ah bah oui, avec plaisir. Oui, après, quand vous avez des bugs, faites la réparation du jeu à partir d'origine. Vous allez... Origine, vous lancez. Vous lancez pas le jeu. Vous allez dans ma bibliothèque de jeux, vous sélectionnez Sims 4, et puis, ben vous, qu'est-ce que tu fais? Tu vas coucher ton gosse. Ah, oh, c'est mignon. Trop tard, Lila! Il a pris la place déjà. Tiens, tu peux me ranger ça. Par contre, ah si, il a été... Ah, si, j'ai rien dit. Il a été jeté à la poubelle. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Bon, Lila, est-ce qu'on l'a fait dormir ou pas? Il y a un peu 1h30 du mat. Sinon après, elle est en week-end, elle travaille pas. Pam, 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 pam. Elle a un petit cric-cric. Un petit cric-cric. Un petit cruc-cruc. Hein, parce qu'ils sont excités tous les deux, là. Ils ont passé un moment sous la douche et... Ça glissait trop, donc... À chaque fois que tu commences une nouvelle génération, tu leur donnes de l'argent, tu leur fais démarrer à Simfous. Alors, pour Lila... Mais pour Lila, effectivement, elle est partie de chez ses parents. Oh ouais, d'accord, bah oui, l'obsession de bambin. Mais laissez-le dormir, j'en peux plus. Laisse-les, tes gosses! Ah, ça m'agace. Alors, pour Lina, effectivement, donc elle est partie de chez ses parents en étant adolescente. Et on lui a donné un petit pécule de 30 000. Mais sinon, depuis le départ, depuis la première génération, je vivais avec les fonds du foyer qui augmentaient, en fait. Donc là, on est un peu retourné un peu à zéro. Attendez, on n'était pas à 6 000 tout à l'heure? Pourquoi on n'a plus que 1200 simflouz? J'ai acheté quoi? Ah oui, la fusée! Ça, elle vaut cher! Waouh! Ouais, pardon, j'avais pas. Mais donc voilà, donc en gros, avec Lila, on est un peu retourné entre guillemets de zéro, mais après, tu fais comme tu le sens. Tu peux déménager à chaque génération dès que tu sais que qui est ton héritier, tu peux. Tu fais comme tu veux en fait. Voilà, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Plus il y en ajoute quand tu. Plus. Il naît des bugs. Sans copter de ceux qui restent.
Tu me fais rire avec tes... Oh, foutu clavier, hein, dis donc. C'était beaucoup plus compliqué car je n'arrivais pas à enregistrer les Sims dans ma galerie des maisons. Ah, j'avoue, c'est chiant, c'est lui. Salut Anaïs, comment tu vas? Je vais jouer aux Sims en même temps, mais j'aurais... Ah, du coup, Marie, elle va disparaître dans les tréfonds. Mais, dors? Recommence pas, Lila. On a galéré, on t'a acheté des traits et tout pour que tu puisses... Voilà, remonte de 3, au moins, c'est ça. Est-ce que c'était bien, cette prise ouais, agréable, ça va, c'était pas non plus extraordinaire. Hein. Illumination concentrée. Mais non, je veille silencieusement. Et allez, ouais, voilà, c'était pas le truc extraordinaire, quoi, comme il y a eu sous la douche. Hein. Bon, bah voilà, on accélère, si on a que ça à foutre. Ah non, on a la... Qu'est-ce que tu fais? Va te coucher, toi. Va te pisser dessus, c'est pas grave, de toute façon, tu peux pas aller au pot toute seule, donc va dormir. Allez, dépêche-toi. Ah, ça fait du bien quand tout le monde dort. Elle ne pleure pas. Sous l'océan, le sunset. Et justement, quand je dis ça... Elle pleure. Allez, viens. C'est bientôt l'anniversaire de Copper. Si je vais jouer en lancer mon SB challenge. D'accord, mais pas de soucis, après vous faites ce que vous voulez. Après vous pouvez très bien faire la cuisine, comme moi je fais des fois, je fais la cuisine, je mange, je m'occupe des chats, tout tralala. Donc on n'est pas forcément dispo tout le temps. Vite foutez, la merde sur le chat, Marie est pas là, c'est ça. Ben re Banner. Je t'ai vu tout à l'heure. À chaque pleur, un harcèlement de la part de maman. Ah bah oui, pour monter sa compépé. Sa compépé, sa compétentance. Ça me fait comme la cuisine, on va sauter un niveau en moins de 2. Hein. C'est où? C'est là, éducation. Bah voilà, on est au niveau 9. Niveau 9. Donc on peut maxer l'éducation. Et voilà. Enfin, il faut 101. Voilà, niveau 9 de compétence éducation. Et encore, elle a pas encore fait... Elle a pas encore gueulé ses gosses de toutes les conneries qu'ils vont faire à repeindre le sol. Salut, Mel, comment tu vas? Et donc, du coup, bah, ça va forcément grimper, quoi. On est là, va pisser. Oh, Nubu! Oh, bah, lui, s'est levé. Oh, purée. Et heureusement qu'il n'y en a qu'une, hein. Vous souvenez des duos d'hurlements de Lila et de sa sœur Lavande, hein. La stéréo avec les enfants qui hurlent en même temps. Mais t'étais là, Banner, tout à l'heure, t'as dit un truc sur le chat, je t'ai vu. Je t'ai dit bonjour. Si tu regardes des chats qui se battent, toi. Je regarde ce qu'il y a mes loulous. Ouais. Voilà le cacateux là qui fait caca n'importe où. Pouf chat. Ah, elle va gerber. Elle va me salir les chiottes. Ah non, ton mari il est dessus. Non, tu vas pas là-haut. Non. On va manger un truc. Tu vas cuisiner un truc, tiens. Oh. Servir le petit déj du pain perdu, du pain perdu, du. Putain, il y a encore de la bouffe là, mais sérieux, mais c'est quoi ces gens là? C'est des dégueulasses. Ok, bon app, Alushkaya. Un peu mal à la tête, ça va être toi, ça se passe bien avec tous tes nobles. Bah écoute, regarde ce ventre un peu. Je crois que. On a remis ça. Oh, mais elle est toujours en train de vouloir bouffer celle-ci. T'attends, ta mère elle est en train de faire à manger. Eh, j'ai faim! Ah, ça va être fou quand je vais faire cette bambin. Ça va être interminable. Le petit, ça va, il n'a pas trop faim. Après, il faudra la laver. Tu demanderas à ton père. Maman, elle a d'autres chats à fouetter. Bon, dès que tu finis, hop,
Tu continues ta fusée. Parce que je crois me souvenir que Pulcott, quand il construisait sa fusée, il avait monté quasiment à max la fuséologie sans partir dans l'espace. Donc c'est juste de la thune en fait. Mais là, c'est vrai qu'on est, on est un peu à sec. Hein. On pourra pas faire beaucoup de choses. Hein. Voilà, il a fait son discours. Tu as demandé un bain de mousse à ton père, s'il te plaît. Ouais, quand même, Iowa, il est mieux. Hein. Iowa, il se pourrait que un de ses ancêtres s'est retrouvé dans le Lord and Lady. Ça pourrait. Je l'ai pas encore croisé, cela dit. Une mimolette en route. Ah putain, arrêtez, vous allez me donner envie de bouffer de la mimolette. J'ai même pas de fromage. J'ai même pas de fromage. J'ai du fromage râpé, c'est tout ce que j'ai. Quoi. En vrai, j'ai pas de fromage. Qu'est-ce que je vais faire, putain? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Sinon, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui avaient participé au concours pour gagner voyage sur Batuu? Est-ce que vous avez joué? Parce que du coup, comme c'est intégré dans un épisode, il n'y a pas beaucoup de participation, hein. Au moins, c'est les vrais abonnés, ceux qui regarderont vraiment. Après, j'ai prévenu hein, sur l'onglet communauté, donc si vous l'avez pas vu, c'est que déjà vous regardez pas mon onglet communauté, que vous regardez pas toutes mes vidéos. Moi, je peux rien pour faire pour vous. Et que vous me suivez pas sur Twitter. Ah, ouais. Oui, non, mais bien sûr, sauf si vous l'avez déjà, évidemment, Marine. Moi, j'ai du Cantal, pas la Chantal, du Cantal. Ah, miam. Je peux venir, Lunette, chez toi. Camille... Isnalis, bonjour à toi. Bah c'est bien si vous l'avez joué quand même. Je ne peux pas participer, c'est jeu pour PC. Ouais, mais c'est vrai que comme je sais, j'ai pas de... J'ai relu et tout, je ne sais pas si je pouvais demander en console, donc ben c'est forcément PC. Alinette, t'as craqué. Oui, c'est vrai que non, t'as pas craqué, on te l'a offert, c'est vrai. Ouais. Ah c'est bien, ça me fait plaisir du coup que vous quand même vous jouez. J'avais participé mais via le lien qui était dans la description sur YouTube. Mais c'est ça! C'est ça, petite rapporteuse, c'est exactement ça. Il n'y a que là que j'ai mis le lien. Mais je veux dire, j'ai fait l'annonce sur l'onglet communauté que vous allez le mettre dans la vidéo. Pour que justement, voilà, parce que d'habitude je faisais un post, c'était juste un lien comme ça que je partageais déjà sur Twitter. Et c'était surtout via Twitter qu'il était vu. Après je le mettais un peu partout. Mais là je l'ai dit. Pourquoi j'ai un... J'ai Discord qui s'est mis par-dessus OBS ici, tout va bien. Mais bon, voilà, donc en gros, n'hésitez pas, c'est jusqu'à samedi soir, minuit. Donc même si la rediff YouTube, là, vous pouvez y aller encore si vous le regardez le samedi, sinon ce sera trop tard. Donc jusque samedi, je crois. Je sais plus. Mon PC n'en peut plus. Ah ouais, bah ouais, c'est ça, ouais. Malheureusement, oui, il faut commencer à avoir un gros PC pour faire marcher les Sims maintenant. Non, c'est pas moi, il m'est arrivé tout seul en chargement. Je sais pas participer, je préfère laisser à ceux qui le veulent. Oui, voilà, après, sauf si vous le voulez pas, mais... Après, justement, je me dis, il y en a qui le veulent peut-être pas, mais que pour avoir la collection, ils vont tenter les concours, tu vois. Ah bah bravo, Quentin! Hein? Déjà, on fesse pas, Quentin. Le verbe là, c'est F-A-I-S. Un seul S pour le Z. Et c'est A-I, c'est pas E. Parce que là, tu fesses comme tes fesses là où t'es assis dessus. Tu vois? Oui, j'aime bien faire des cours de français. Et alors? Eh, je peux être folle et je peux être un boudin. Je peux faire des cours de français aussi si j'ai envie. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. D'ailleurs, je suis pas du tout les gamins. Mais alors, Dan, tu gères pas tes gosses? T'es resté à la maison, c'est le week-end, c'est toi qui gères les gosses, hein? Non, mais regardez, ils sont pas dans le bleu, ils sont pas dans le rouge même, donc c'est que ça va. Ah bah oui. Ah bah regarde, ça c'est Quentin, ça, c'est la version Quentin. Hein. Ce sera elle de gueuler aussi, putain. Bon, je vais laisser faire. Ça va, les petits copeurs?
copain, il va avoir besoin de se laver les fesses. Oui, ben voilà, il va demander un bain. Et pas parfait, moi je les gère plus, là, ils font leur life. Elle va les gueuler sur sa petite. Ouais, on a gagné plein de pourcents. Trop cool. J'adore ce jeu. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ben, va te jouer, j'en sais rien, moi. Vas-y, tu te démerdes. Allez, Lila. Continue à construire. T'as pas que ça à faire. Oh bah! Monsieur s'est dit, oh non, mais moi, tranquille et mille, je vais me balancer, hétéroclite. Alors que nous, on fusait au logis. Tu aurais des conseils pour un bon PC? Comment, je sais pas, il faut... En vrai, faut avoir un très bon processeur et une belle carte graphique, et je pense que ce serait bien. Je sais que t'es dyslexique, Quentin, je sais. Je t'embête. C'est ça. Mais check sur internet, hein. De toute façon, tu te dis plus c'est cher, plus c'est mieux. Mais si tu veux une base, tu peux regarder ce que les Sims recommandent. Mais bon, est-ce qu'il faut pas actualiser tout? Je sais pas s'ils ont actualisé ou pas. Peut-être qu'il le faisait avec ses fesses aussi. Ah oui, peut-être qu'il peinturlurait les murs avec ses fesses. Oh, Quentin, dis donc. À part s'il donnait la fessée à Picasso, c'est correct du coup. Ah oui, j'avoue, ouais. Mais je crois qu'il y a une petite différence d'âge et que Picasso, il est mort il y a un moment quand même. J'espère qu'en ce moment, je sais plus jouer. Ah ouais, oui. I understand very much. Il va déjà être le soir. La vache. T'as donné un bain à ta fille? Ou à ton fils? Bah oui! Et regardez, il est tout propre ce gosse! C'est merveilleux. C'est merveilleux. Fiu, fiu! Oh, on dirait qu'elle fait les... Nunu s'est remariée. Ah bon? J'ai pas fait attention. Attendez. Non, non, bah non, elle s'appelait Sono avec Adonis. Non, non, c'est bon. Parce que toi, tu t'attendais au nom de famille Rainbow, mais non. Comme elle est mariée, elle a son nom qui est... D'ailleurs, Prune... Prune, c'est... Elle est mariée, elle est Christian. Mais Christian, elle a pas encore fait de gosse. Et la Vande est toujours célibataire. Ah, ça fait bizarre hein, que je les ai pas casés moi. Et... Hop, pouf ah, ça te pète au nez, hein, c'est ça. Du coup, bah, ils font leur vie, hein, maintenant. Quoi? Ouf. Bah attends, elle fait ce qu'elle veut, Nuage, hein, si elle a envie de se marier. Faut pas lésiner sur le budget, hein, pour vraiment PC. Non. Il faut allonger la thune, hein. Non. Je suis mariée. Enfin, elle est mariée. Bon, je suis pas mariée. La vente va finir bien, fille. Comme moi! Avec son frigo. Comme moi! C'est plus mon PC que mon frigo, mais bon. Je refaisais une beauté aux prises électriques, surtout. D'accord. Tu leur faisais des petites oreilles et tout. Mais tu as pas de petite Mais Nuage, j'allais dire. Lila. La pauvre est dans un état. Allez, tu prendras un petit bain de mousse. Non, prendre un bain de mousse. Allez. Faut qu'on bosse là, cocotte. Hein. Tu crois que j'ai que ça à foutre, moi? Que de te regarder glander là? Quelle idée de faire des gosses aussi. Elle a tout le temps faim, elle a toujours un truc qui va pas. Hé, hey, Gaga! T'as déjà pris ton bain? Ben... Va prendre ton bain, grognasse! Après, tu vas servir le dîner. C'est pour maxer la compétence. Fish and chips. Oh ouais, fish and chips. Je fais le test, je fais partie du premier, je comprends pas. Qu'elle veut juste faire craquer. What? Évite Windows 7. Ça existe encore, ça? Je vais regarder ça et me faire un plaisir pour Noël. Pas de soucis. Mais... Ah, toi, genre le processeur vise déjà un processeur 7. i7, si tu veux. Un Intel Core, là, 7. Au moins le 7. Moi, le 5 de mon ancien, il commençait à tirer la gueule, tu vois. Donc, limite, elle est sur du 7, déjà.
Après, si vous avez d'autres conseils dans le chat, allez-y. Hein. C'est ce que j'ai, je crois. J'ai un 7. Le 9, ça faisait cher. C'est bon? Oui. Oh, elle a pris du bide d'un coup! Comment ça se fait? Deuxième trimestre en 23h. Ce sera un bébé du soir qui arrivera à 20h, 21h. Ah oui, moi je danse quand je fais de la cuisine. Je m'occupe tellement pas des gosses. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est triste lui? On a marre des cubes. Ah ouais, non, mais si t'as des problèmes de vie existentielle à ce point, mon petit. Arrête sa journée. Oh, ça va, ils sont sages, hein. Regardez, j'ai... Oups. J'ai même pas nettoyé le truc, il a disparu tout seul. C'est Dan qui a fait le ménage. Je me prends plus la tête. Par contre, la petite aussi, Sunset, elle est super calme. Voilà. Quoi, c'est pas bon ton fish and chips? On a le droit de manger du poisson quand on est en cloque, non? Microsoft a donné un coup de mèche pour les anciens systèmes, il n'existe plus que Windows pour Microsoft. Ouais. De toute façon, moi. C'est bon, PC portable, viens un i7. Ah oui, non, mais après, un i5 que j'ai, il tire fameusement la gueule. Bah voilà, c'est pour ça, donc faut vise forcément au-dessus. Après, tu prends l'espace que t'as besoin en termes de disque dur. Après, le mieux, ce serait que tu aies un SSD pour que tu puisses mettre ton jeu dessus. Le SSD est plus rapide. Donc comme ça, tu soulageras encore plus ton processeur. Et après, c'est juste une carte graphique. C'est pas ça, frère, va pleurer. D'où, comment ça? Tu conseilles PC 8 Go de RAM et un SSD. Ouais, voilà, Quentin. C'est vrai que Quentin, il peut t'aiguiller un peu plus, lui, qu'il s'y connaîtra mieux. Il y a des bons i7 fort bien équipés. Ah bah oui. Avec deux SSD. Bah moi, j'ai un SSD sur celui que j'ai et un HDD. Mais j'ai un gros SSD de base parce que celui que j'avais avant, il était petit. Je pouvais pas mettre mes jeux dessus, en fait. Aucun de mes jeux était sur les SSD, donc... Du coup, j'ai pris un plus gros SSD pour pouvoir mettre mes jeux dessus. Et ça roule tout seul! Niveau 5, t'as la compétence mouvement. C'est bien. Les gosses, tiens, tu vas aller... Par contre, personne ne vide le pot. C'est ça qui est beau. Et cette gamine, elle est laissée à l'abandon. En même temps, je crois qu'elle est pas finie. Hein. Elle sait même pas manger. Il y a à bouffer, idiote! Va bouffer, Auton! Parce que sa mère vient l'emmerder. Laisse cette gosse tranquille, toi. Toi, va faire ta fusée. Ah bah non, va t'occuper de la petite là-bas. Harcèlement. Harcèlement. Ta-la-la-la. Harcèlement. Ta-la-la-la-la. Laisse. Laisse-la. Et lui, court derrière. Du coup, ça a enlevé ce que je lui ai demandé de faire, c'est-à-dire de bouffer. Comprenez que je vais bien vraiment m'énerver quand on fera cette bombin challenge. Ça va être beau. Hein. C'est la zone attitude que subit au chaud dans le ventre de sa mère. Oh. Vous parlez chinois pour moi. Ah bah, c'est des trucs de PC. C'est... Non, après, tu comprends, en fait. C'est pas si complexe, hein, t'inquiète, c'est pas... Si je comprends, c'est que tu peux comprendre. Ah, toi, t'auras deux SSD. Ah, c'est cool. Tu seras plus rapide que la lumière. Allez, va pisser. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, 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 non. Alors, tu vas venir manger aussi, et après, t'iras te pioter. Quand ton père aura fini de squatter ton pieu. Mais laissez-la manger, cette gosse. Toi, et puis toi, tu vas me nettoyer ça, d'ailleurs, un peu. Du coup, tu te rends utile, mon petit. Toi, t'as fini. Hop. Tu retournes faire ta fusette. T'as pas fini de bouffer, Copper. Commencez pas. Hein. Elle se fait dessus et maintenant après elle pourra dormir. Voilà, ça c'est... Vous avez changé de lit pour la nuit, c'est pas grave.
Apparemment, c'est très bon, hein. Ils prennent le temps de tout manger ce que maman elle fait. C'est super. T'en es où de physiologie là? 4, presque 5. Bon, elle avait déjà commencé un peu avant, hein. Elle avait un ou deux niveaux, je crois. Grâce à ses devoirs ou autre, je pense qu'elle avait dû avoir quand elle était jeune. Donc, désolée, je suis partie en catimini, j'ai manqué beaucoup. Bah, je sais pas du coup quand t'es partie. Je peux pas te dire. Perso, j'ai le jeu sur mon PC, il rame, du coup, je suis passée sur la PS4 et là, nickel. Ah oui! Eh oui, mais bon. Moi, je suis PC. J'ai pas de console. Donc, pourquoi il y a toute cette musique? Ça va faire tellement cher, cette histoire. Est-ce qu'on a fini la fusée? Faut vous calmer, hein. Par contre, on n'aura pas la thune, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais occupe-toi de ta fille! Mais il est fou, lui! C'est l'anniversaire de Sunset, elle va bondir de son berceau plus vite que la chanson, et puis on verra quelle couleur elle a ses neuils. Parce que de toute façon, elle sera rousse comme ses frères et sœurs. C'était la couche, j'ai pas fait attention. Ou elle s'est chiée dessus après, hein. Tant pis. Hein. Allez, Lilith! J'aime pas sur console. Bah, ça doit être compliqué, je trouve, je sais pas. Mon PC est équipé d'un SSD, Toshiba, mais c'est pire. Hein. C'est les pires HDD. Hein, ah, je sais pas. Niveau 5 en physiologie et au niveau 5 en éducation pour Dani, même si on s'en fout. Bon, il gère quand même un peu le fitness, un peu le charisme, monsieur, hein. Tu dois t'entraîner à faire un discours. Bah écoute, au lieu d'admirer, tu vas aller dormir. Dormir et pas bambin, bravo. Bravo, Dan. On peut applaudir Dan dans le chat. Parce que j'ai cliqué sur dormir et il n'a pas eu le réflexe bambin à la place. C'est très rare. En général, pour eux, dormir, c'est bambin. Hein, voilà. Manger, c'est bambin. Pisser, c'est bambin. Salut, Loli! J'ai le souvenir que Lila pouvait faire du yoga en étant enceinte, mais ma cimette ne peut pas. Me serais-je trompée? Elle peut faire que deux positions en étant enceinte. Elle peut faire la posture de salut et de larmes. Après, c'est peut-être à partir d'un certain niveau, hein, moi je sais pas. Et après, c'est la méditation qu'elle peut faire, ouais. J'aimerais ça dans un PC, mais j'ai tous les packs qui sont sur la PS4, ce serait bien de pouvoir transférer. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, est-ce que t'as c'est perdre de l'argent, quoi. Mais non, parce que c'est un compte origine. Attendez. Ah ouais, mais non, c'est... Ouais, non, je sais pas. Non, bah non, ça marche pas. Parce que c'est sur... Même si c'est... Origine, le compte, c'est pas le même achat. Je sais pas, je pense que ça peut pas faire. Ah bah alors, Marie, alors. Après, je me dis, c'est peut-être à partir d'un certain niveau, effectivement, mais... Contre, on n'a plus de thunes, hein, donc on va pas pouvoir faire améliorer beaucoup la fusée. La fusée. Alors, est-ce que tu pourras faire un paysage? Je sais plus si ça la divertit un peu ou beaucoup ou pas. En tout cas, c'est pas grave, on se fera de la thune. Avec sa toile. Oh, c'est la journée des farces! Est-ce que c'est PSN? Ah, c'est Play Store. Ah, d'accord, pardon, my bad. Je ne savais point. Excusez mon ignorance là-dessus. Mais c'est dommage. Des bisous, cerisier. Bonne nuit à toi. Il est tôt quand même. 20h40. Quand tu vois que moi je bouffe déjà à 22h, 23h. Ça... Mais bon, je comprends. Hein. Pas de soucis. Oui! On a le bébé 4 qui a été lancé. Je sais pas, hein, si on l'aura aujourd'hui à la sortie, mais on verra bien. En tout cas, on est remonté à 1000 simflouz, donc c'est pas mal. Alors, allez, 400, hop.
Ça, c'est fait. Tu vas pouvoir refaire pipi comme une championne. Manger un gâtal si tu veux. Et regarder la téloche également. Tout ça d'une traite. Oui, elle dort jamais, hein, Lila. Hein. C'est une warrior. Ah, c'est l'anniversaire de Cop Cop. Oui. Oh là là. Attention, va lui qui va devenir enfant. Elle qui va devenir bambine. Et bon, on va pas encore, elle va pas encore accoucher. Non, c'est pas encore maintenant. Mais ça va être pas mal tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Mais je t'ai... Mais quoi? Quoi? Ouais. Ouais. Bah tiens, tu manges les fish and chips qui restent et tu regardes la télé. On sait que t'es enceinte, hein, on l'a vu, hein, je l'ai fait exprès, hein, c'est pas comme si tu me faisais un gosse dans le dos, hein. Après le gâteau, on finit les frites et les poissons de la veille. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est passionnant, hein. Tu sais, tu me feras une petite sieste après. Petite sieste disco. Il faut quand même origine pour les lancer, alors autant les avoir sur origine. Ouais, j'avoue. Aïe, à vous. Pourquoi t'es debout comme ça? Mais t'es con! Elle est pas finie, cette fille, hein! Adonis, il a pas géré, hein! Son père, évidemment. Adonis, son daron. Oh, des loups-garous! Vous pensez qu'on les aura, les loups-garous, un jour, dans les Sims 4 ou pas? Ouh! Pardon. Ah, qu'est-ce que c'était bien! Ah, ça l'a diverti, hein! Elle s'est dit, tiens, toilette, c'était cool avec l'autre, là. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a Robert, Edward, et l'autre, je sais plus. Qui n'a pas un qui est mieux que l'autre? Je sens que je vais lancer un débat là, ça va pas être bien. Oh, un bébé qui pleure! Sunset, tu veux pas grandir? Petit harcèlement en règle. Attends, c'est maman qui va y aller là. Non, toi c'est bon. Toi tu peux aller aux toilettes et puis tu vas nettoyer, tiens. Tu seras toi utile. Regarde, maman, elle fait une mini sieste, elle remonte au max là. Enfin, pas au max, mais quand même pas mal. Petit harcèlement, et en plus, il y en aura un quatrième derrière. Aux petits oignons, l'éducation. J'adorais un pack loup-garou. Oui, je sais que c'est les Sims 3 super pouvoir. D'ailleurs, je l'ai jamais eu. Je sais pas si un jour je l'aurai. Ah, jardin aromatique. Je l'aime bien. Juste pour parce que les plantes, elles sont trop belles, quoi. Et vu qu'on a très peu de fleurs ou de trucs et tout en général, bah moi, je kiffe ce petit kit. Je le conseille, vraiment. Après, faut savoir, faut faire de la construction et faire des jardins arborés. Il y en a, ils en font pas. Après, faut ce qu'ils veulent. Mais c'est bon, on sait que tu pues, hein. Kokaru. Oh là là, on va taper le niveau 10 en éducation. La 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 Est-ce que t'as des trucs à bouffer sur toi? Ouais, t'as des pommes! Manger des pommes, comme disait l'autre! Tu peux manger dans ton bain? Cop-copper! Cop-copper! Hé! Hey, c'est quoi ça? C'est quel sexe, ce machin? Oh non! J'ai une petite sœur! Oh non, c'est trop nul! Allez! Tu vas manger régime, tu vas manger bio, Lila. Ah oh bah, elle a pas l'air d'être bonne, ça. Pourquoi j'ai des tas de merde dans mes... C'est incroyable, ça, je sais pas pourquoi. D'où ça vient. Non, pas placé dans le monde, je me suis trompette. Mange ta dernière pomme. Et améliorer
Allez, celui moins cher, parce que sinon... Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Popopo! Oh, Lila! Coquine! Ah là là, elle est bien fringuée quand même. Mon mari a voulu calculer le montant exact que j'ai dépensé pendant les Sims, c'est visage effrayant. Bah tu m'étonnes. Faut pas faire ça, faut pas faire ce genre de choses. Sinon tu vas forcément être choqué. Choqué, déçu. Encore une Chantal? Mais c'est pas possible ça. C'est l'invasion des Chantal ici, tu sais. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah tiens, rends-toi utile, fais ça. Là, y a plein à jeter là. Le petit, il a faim. Presque. Voilà, sa sœur, je suis sûre qu'elle aura la dalle aussi après. Tiens, tu pourras manger ça. Il en reste combien? Il en reste 4. Ouais, oh, non, elle pue, elle. Ouais, mais elle pue, mais elle a faim aussi. Allez. Ça, ce sera réglé. Après, papa, il y aura. Oh, oui, une Chantal. Il n'y a que ça, des Chantal. Après, t'iras demander un bain à ton daron. Daron, daron, t'es comme mignon. Daron, daron, ton, n'importe quoi. Et il y en a plein, les Chantal, dans ces jeux, hein, parce que Chantal, c'est comme Patrick. D'ailleurs, Patrick et Chantal, c'est amoureux. Hein, ils se font des enfants, ils les appellent Patrick et Véronique. Et Philippe. Genre des prénoms très actuels. Franchement, je sais pas... qui a traduit le jeu et qui s'est dit, bah oui, c'est forcément des prénoms qui sont très d'actualité dans les Sims. En fait, j'ai l'impression que ça tombe sur 10 prénoms, quoi. T'en as quelques-uns qui vont être Léa, Manon, Céline, qui passent. Et tout le reste, c'est des vieux prénoms dégueux, quoi. Voilà. Respect pour toutes les Chantal, les Patrick et les Véronique, hein, mais quand même. Ouais, petit bébé... Quand tu fais un Decades, je veux bien. Quand tu fais un Lord and Lady, je veux bien que tu mettes des prénoms avec l'époque. Mais dans le jeu normal, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est pas diversifié. Si tu n'as pas le pack chien-chat, tu peux les remplacer par des bambins. Le challenge 7 chiens et chats. En gros, si c'est là, ça pourrait être la merde. Et... Si, parce qu'ils sont toujours en train de demander des trucs. Alors, elle a fini. Cool. Et toi, t'as pas fini de bouffer. Tu m'énerves. Va manger. Elle va se pisser dessus. Elle aura pas appris à faire. Et hop, elle se chie dessus. Et ben, au moins, ça remonte sa jauge. Elle vient juste de se faire laver les fesses, hein. Tu veux parler à ta petite sœur? Qu'est-ce que c'est? Parler. Ça, elle va faire la gueule. Oh non, j'avais pas remarqué que j'avais une petite sœur. C'est pas drôle. Tu mets bas quand, toi? Troisième trimestre en 3 heures. Ah ouais. Bon, allez, on va faire la naissance, hein. Et puis comme ça, on sera bien. Pourquoi tu penses à Prune? Elle est moche. Pourquoi tu penses à elle? Allez, un petit coup de Siopino. Alors, non, pendant que tu manges... Bah, ils sont tous en train de squatter la télé, ces enfants de chiens, là. Heureusement, il y a une place qui reste pour elle. Bon, je dis pas, ils sont trop choupis, regardez. Ils sont mignons comme tout. Les petits rouquins. Youpadzi. Ah oui, par contre, j'ai un souci, moi. C'est quand je suis en tab, je peux plus relever les murs. Il faut que je le fasse avant. Je sais pas vous. Mais moi, j'ai ça qui me saoule, du coup, parce que je me fais avoir à chaque fois. Ils sont mignons! Regardez comme il est beau, ce garçon. Comme il est beau! Tu veux un Jacqueline et puis après t'iras. Qu'est-ce que c'est avec ta bulle, toi? Non plus, je peux plus. Ah bon, bah voilà. Et voilà, il fait la. C'est pas grave. Je reste zen, disciplinée, sévère, hurlée, voilà.
La petite dernière s'est remise à gueuler. Pourquoi la responsabilité, il est en noir maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, Dan, il fera le ménage. Il n'y a pas une compétence ménage, alors ça sert à rien que je le fasse. Alors, va pisser, toi. Putain, c'est l'anniversaire. Tu vas appeler la femme. Qu'est-ce qu'elle a chialé? C'est bon, on a un anniversaire à faire, là. Ah, je sais pas, chez moi, faudrait que je teste. C'est le gosse. Toujours. Le plus drôle, j'ai remarqué que dans ma famille, je suis le seul Quentin depuis 1630. Bah, c'est normal, c'est actuel, Quentin. C'est ta génération. Ah, fête d'anniversaire. Le Sims fêtait Cooper. On va inviter... Prune, Lavande, Nuage, Yann. Ça fait pitié un peu comme... Ça fait un peu pitié, hein. Pourquoi on connaît aussi bien Nox? Ma vache. Et Chantal Caillou, c'est qui? C'est... partie de la famille ou quoi? On va mettre ces deux là parce que bon, ça fait peur un peu. Mais je t'ai dit d'aller pisser, cocotte. Tu écoutes pas ce que je te dis. C'est trop drôle la vie. Mais tiens, avant que tu te refasses dessus, dès que ton frère il aura fini, on t'apprendra à aller sur le pot. Tu vas nettoyer. Ah, v'là cousin machin. Sans toquer à la porte. Ah bah non, bah il fait le ménage. Okay. Oui, bah j'ai remarqué, oui. Oui, j'ai remarqué qu'il faisait le ménage. Ah, un petit harcèlement. Toi tellement. Ouais, va prune. V'la nunu. Putain, Nuage, regardez-moi ce body. Elle est vieille comme, je sais pas, comme le... Hein. Et, bon, elle a les seins qui tombent un peu. Elle a un peu moins de hanches, mais de profil, elle est parfaite. Ouais. Bon, prune, ça va, hein, niveau physique. Je veux dire, elle a pas trop pris de poids, alors que Lavande, elle a grossi x4, quoi. Lui, il mange, ok. On tira pisser aussi après. Ah, ça y est. Toi, dégage. Ici. Va dire bonjour à mamie. Tenter de se présenter. Ah oui, c'est vrai que... Mamie est une star, donc c'est compliqué de lui parler. Va apprendre à ta fille. Ah, Autumn. Oh, Lavandine. Comme t'es grosse. On dirait moi, dit. Hey, boudin. Je rigole. Oh là là. On se fait chier, non, hein. C'est l'ambiance, hein, dans cette maison. Tiens, tu vois, des trucs de... Hein? Des trucs, là. J'ai absolument pas bossé. Vas-y, tu vas bosser la peinture avec lui. Qu'est-ce que... Comment il est habillé? Je l'ai habillé comme ça, moi. Ça y est, il va lui apprendre à se pisser, à moins se pisser dessus. Oh, ce ventre. Oh, Mamoun. Nunu. Nunuche. Partager de l'amour. Oh, il va partager de l'amour avec sa tati. Un noubou, deux noubous, trois noubous. Ils sont infernaux, c'est bon. Bah, je sais pas comment tu fais. Non, mais non. C'est pas encore maintenant, hein. C'est dans 24 heures, hein. Ouais. Tu continues jusqu'à l'anniversaire de Lila. Bah, elle est techniquement en train de vieillir depuis deux jours, donc pourquoi pas. Tu discutes avec... Ouais, non.
Ce que tu peux dire à ta mère que t'es enceinte, en fait, je crois qu'elle le voit, mais... Oh, et on peut demander un prêt, de toute façon, elle va crever après. Nuage. On peut pas demander un gros prêt. Oh, tu vas la flatter. On va récupérer 500 boules comme ça. Eh, on peut pas avoir de dette avec quelqu'un qui est mort. Incroyable le nuage. Bah, elle a gagné en plus niveau 10 en footing, en fitness. Oh, putain, mais pas. Donc en fait, je pense qu'elle doit avoir de la longévité en bonus. Voilà, merci maman pour le prêt. On te le rendra jamais. Alors c'est bon, bah lui il fait. Oui, alors c'est papa qui va avoir l'honneur de faire vieillir son fils. Allez. Ah, j'ai pas sorti le gâtal. Honte à moi, j'ai pas fait sortir le gâtal. J'ai oublié de faire sortir le gâtal. Bon, un gâtal rose, hein, tant pis. Hein. Oh bah tant pis. Hein. Bah non, c'est pas ça. Non, c'est aider à faire ascendre. Aider à souffler les bougies. Cooper. Oh, Cooper. Copernic. Oh, la vanne que je peux faire quand il sera ado. On pourra dire que Copernic, quand il trempera le biscuit. Eh, on rigole, non? C'est marrant, la vie, non? Elle arnaque sa mère. Trahison. Disgrâce. L'esprit du mal est marqué sur sa face. Mais non, elle arnaque pas son maman. Elle va arnaquer sa sœur aussi, si tu veux. Jabba Woonie Hitch. Attends, on arrive, parce que je veux pas louper la sale gueule des bambins quand ils grandissent, parce que c'est priceless un peu. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, charisme. Tu vas discuter de peinture. Oui! Alors, je mets le mur avant, hein, parce que maintenant que j'ai plus de mur. Torky. Oh oui! Comme je la sentais venir, celle-là. Pour la blague. Je l'avais pas pensé avant maintenant, tu vois. Youhou! Copper a vieilli. Alors, quels sont les traits pour la génération orange? Un tir pour la blague. Oh putain, ça va être relou là, leur orange. Malveillant, sûr de lui, glouton. Ah bah, on va faire, lui mettre la motrice. On va faire part sur de lui, c'est pas mal. Alors c'est rouge, hein. Pourquoi ils nous ont mis ça? Est-ce que y a les autres? Glouton. Ouais. C'est quoi? Glouton et malveillant. Ouais. En gros, ils sont déjà tous dispo. Ouais, on va commencer avec sur de lui. C'est bien, c'est. Oh la vache, comment il me fait penser de dingue. Merde, je sais plus son prénom. À Matisse. Ouais, là, le petit haut de Noël. Je sais pas, il m'a trop fait penser à Matisse en grandissant. Oh, non, mais là, leur looking, ça va pas être possible. Hein. On le relookera après le live, évidemment. Mais là, ça... Bravo, Copper! Oh merde, il lui faut une chambre. Oh merde, il nous faut de l'argent. Tu peux demander à ta sœur? Tu peux nous prêter de l'argent? Stop. Stop, stop, stop. On a besoin d'argent, là. Il faut acheter un lit pour notre fils, tu sais. On est un peu ric-rac ce mois-ci. On va demander aux deux sœurs. Attendez, hein. Hey, c'est sœurs jumelles, les deux, hein, quand même. Hein. J'ai cru qu'elle allait dire non, la vieille peau, là. Ah ouais, attends, nous, on a besoin de tunas, hein. Ah oui, ça marche. Ouais, on vous remboursera quand il sera à la fac. Plus il est fatigué quoi. Mais laisse la gamine tranquille, elle va manger. Il y a du manger là. Oh, c'est pas vrai ça. Complimenter. Ouais, tu peux réclamer des nouveaux jouets. C'est ta grand-mère, elle va forcément te faire plein de cadavres. En plus, t'es son seul petit-fils à l'heure actuelle. Donc forcément, elle doit te couvrir de cadavres.
C'est obligatoire. Elle va te mettre héritier d'ailleurs de toute sa fortune, comme ça on récupérera toutes les thunes de nuage. Copper vous remboursera quand il travaillera, c'est ça. Elle a le même mot que Prunette. Ah oui ! Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Ils sont le même haut. Bah, il est mignon ce haut. De où tu vas dormir, Lila ? Ça va pas, non ? Donne des astuces de cuisine à ta sœur. Des énigmes logiques, allez. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Mais je t'ai dit de bouffer ! Oh non, mais ça va, oui. Elle m'énervait, moi. Pourquoi j'ai entendu bruit ? Ah, c'est lui qui est en train de taper un bain, d'accord. J'entendais des trucs bizarres. Comment tu fais pour réclamer des jouets ? On peut plus réclamer de jouets ? Ah, on peut réclamer des jouets, comme ça on les revend. Vas-y, mamie, à boule ! Vas-y, donne-moi un chèque en blanc, c'est bon, tu signes, juste. Je me débrouillerai, t'inquiète. Et c'est là que Nuage meurt sous nos yeux. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah non, d'accord. Oh là, la vieille. Elle est vieille, mais elle a de la ressource. Hein. Salut Armageddon. J'ai une phrase à toi de ta période, place du marché, ça rigole, mais on voit pas le fond du bol. J'ai trop kiffé cette émission. Ah, parce que à l'époque, je regardais encore Amixem et il le disait tout le temps. Donc je pense que je l'avais ingéré. Après, tu feras le ménage, Dan. Qui tu prends ? Ah ! Vas-y, la vente. Non, t'inquiète, on juge pas. Sportive la mamie. Ouais, c'était bon ça. Ah, c'était bon. Doucement, Nunu va pas mourir maintenant. Écoute, moi je sais. Après, on peut regarder combien de jours il lui reste, hein, mais ça fait un moment qu'elle est vieille quand même. Hein. Je sais plus combien de temps, mais à mon avis, ça va pas tarder. Hein. Bon, Bichon, il est fatigué. Mais il y avait Ali déjà! Oh, trop bien! Bon, par contre, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas mis la truc. On a ton lit à Copper. Oh, c'est cool, va dormir. Une fois les vacances. Copper, il a son Lily, c'est super père! Coucou, cool! Alors, ça, on le remet là, ce sera pour Lila. Et elle a pas fini de bouffer. Donc, tu continues de manger. Sunset ne veut pas grandir. Il est là et commence à être fatigué. Il est 2h du matin. Putain, mais j'ai cru qu'il y avait encore... On en parle quand je croyais qu'il y avait du soleil. Vous voyez pas les ondes que ça fait? Soir en plein jour. Il est pas un peu buggé ce quartier C'est à cause des lumières de la ville. En fait, on est tellement éclairé qu'on se croit en plein jour. Ben non, elle va aller dormir pour une fois. Et puis toi, ben écoute, toi tu vas bouffer et tu iras te pioter aussi. Voilà, bon ben, ouais, je m'en doutais. Qu'est-ce que tu fais ? Regarde, si tu regardes rien, il n'y a rien d'intéressant. Et Bichette, une fois qu'elle aura fini de manger, elle ira dormir. Et Copper va passer sa première nuit sans la lampe monstre. Attention, quelle horreur, je vais la mettre tout de suite. Sinon, je sens que je vais m'énerver très 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 rapidement. Et il n'y a pas de lampe orange, donc elle sera rouge. Voilà. Au revoir le monstre, adieu le monstre, à jamais le monstre. Elle meurt pas de faim à la vente, dis donc. Ah non, c'est sûr, nos jugements, elle va se tuer sur la machine. Le monstre sous lit, ça fait longtemps, tiens. Ça y est, elle a popé. Elle est brune. Oh merde, elle a... Oh putain, les deux... les deux filles auront les yeux de leur père. Regardez-moi ça. Elle a pas encore sauté. Vous êtes prêts ?
pour l'animation incroyable du bébé qui saute. Ah bah d'accord, elle a sauté derrière elle. Oh là là, elle a sauté derrière. Donc elle a les yeux de son père. Oh non. Je suis déçue. Ah, bah elle a disparu. Ah bah non, d'accord, elle a sauté. Ah bah d'accord, oui, c'est normal, tout va bien. Parce que le mélange est beaucoup plus joli avec les yeux de maman. Ouais, bah t'es pas terrible, hein. T'es un peu mieux réussi que ta sœur, je crois. Première vue comme ça. On verra bien dans le CAS. Parce qu'on ira la relooker en même temps que Copper, j'allais dire Connor. Oh bah elle sera 1 et 2 et 3. Pot de colle! Et elle commence déjà sa vie en voulant bouffer. Voilà, les deux cocottes. Lui il mange et il ira se coucher. Magnifique! Magnifique en petite sunset. Je veux pas grandir, non. Bah si, il faudra, genre. Tu peux rien. Tu seras obligé. Voilà, elle est dodue, hein, la petite, hein, quand même. Elle se téléporte, la gosse. Oh, mais ils veulent tous cesser la télé. Bah, tu sais, sa mère, elle se téléporte aussi, maintenant. Donc, pourquoi pas la fille, tu vois. Hein? Je veux dire, hein, quand même. Bon. Bonne nuit, Paulinette! Des bisous à toi! Oh, j'ai la dalle, les enfants! J'ai pas idée. Ah, gna, gna. Il va se coucher. Voilà. Et il nous reste donc la petite. Dernière, pour l'instant. Ah, gna. Elle m'attira te pieuter après, comme ça on sera tranquille, Emile! C'est bon le plat de maman? Ah, oh, oui, maman. Ah, oh, tu sais bien la cuisine, maman. Hein? Il en fout plus à côté que dans sa bouche, mais c'est pas grave. La famille de mutants. La famille de téléportés. Oh, cette coupe de cheveux. Ce mélange est assez improbable entre les cheveux, la coupe et les fringues. Avec un espèce de t-shirt de sport et une jupette. Ah, la vache. C'est quelque chose, hein. Ah, c'est trop drôle la vie. Et hop! Dors. Ah, quel bonheur. Et elle commence par un cauchemar. Tu vas me faire une sieste. Elle commence bien sa vie, elle aussi. Ah, mais Lila, elle va pas aller travailler. Oui, ça va bien. Oh, ça va bien, oui. Ah, bah alors. Ah bah dites donc. On va prendre un congé pour les. Ah bah dis, on va coucher ce soir, nous, hein. On n'a pas le temps, hein. Nous, on a le vagin en décomposition, hein. Ah, ça dit bien par où ça passe. Retire à bouffer ce que tu veux. Ouais, mais un gâtal, ça nourrit pas bien, quand même, hein, j'ai envie de te dire, hein, genre truc. Tu vas refaire à bouffer, tiens. Servir le petit-déj. Les pancakes. Ah, Dan, il va aller travailler. On est déjà lundi, à la vache. On passe vite, hein, le week-end. C'est ça. Lyra n'ira pas travailler, elle va pondre plus tôt. Exactement. Après, elle sera obligée d'aller quand même bosser parce que quand elle deviendra adulte, elle changera de carrière, donc elle n'aura pas de jour de congé de gagner, donc elle sera obligée. Mais tant qu'on peut lui faire avoir des courses de congé. Qu'elle travaille sur ses compétences à la place. Moi, je dis, c'est tout bénef. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Non, 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 non. Ça suffit. Je l'ai pas reconnu. C'est qui, lui? C'est le mari de Lila, tout va bien. C'est son daron, mais je l'ai pas reconnu avec ses nouvelles... Ah, ta fille! Ah, on va pas passer un savon pour rien. Ce serait dommage. Alors vous m'expliquez que elle vient de grandir en bambin. Elle sait déjà descendre ici, mais quand il suffit de descendre ou de monter, les plus grands escaliers peuvent pas. C'est la même démarche. Je change la couche. Pour une fois que les hommes peuvent le faire. Télé, télé. Allez,
Un aller taxe, 304 Simflouz. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu regardes rien du tout, tu vas aller jouer? Merde. Excusez-moi, Jean-Pierre. J'ai disturbé la terrasse. Tu t'en sors, toi? Je sais, hein, vous attendez tous cette naissance. Oh! Premier niveau 10. Ta 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 ta. Oui! Bon, en même temps, la cuisine, c'est cheaté. C'est cheaté à mort. Ah, j'ai faim en plus, sa mère. Oui, je suis vulgaire. C'est comme ça. Faut pas venir sur le monstre, sur mon live. Oh bah, lui, t'as la dalle, mon coco, aussi. Faut te gérer, Copper intégrant, maintenant. Hein. Tu fais ce que tu dois faire, hein. T'as des envies, tu les, voilà, tout ça dépend lesquelles, mais tu les remplis, quoi. Ah oui, t'as mal au dos. Oui. Y en a, ils ont mal au cul. T'as mal au dos. Tu vas faire pipi. Ouais, va pisser. Et tu... Allez, 1000 Simflouz. C'est les Simflouz qu'on a empruntés chez les sœurs. Arrête de danser! Allez là! Petit niveau 8. Bon, je pense pas qu'on l'aura aujourd'hui, niveau 10. Voilà, on maîtrise la cuisine, donc tant que... Mais bon. Ça veut dire qu'on doit monter une compétence niveau 8, comme la physiologie, par exemple. On devra monter une autre compétence niveau 10, je pense qu'on va taper sur l'éducation. Et puis après, voilà, niveau 6, la physiologie, ça c'est fait. Tiens, par là, ta sœur, après. Et toi? Nya! Nya! C'est bon, elle dort. Ouais, quand elle dort, ils font pas chier, hein. Salut, Rissilof! Félé! Je sais pas quoi. Not so berry. Yes. Non, 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 I don't need it, thank you. Bonjour le bot ou le troll, wow. S'en fout, pas grave. Ouais, je mérite 1 million de vues, ouais. 1 million de gens sur mon stream, vous imaginez? Incroyable. J'aurais plus le temps de lire vos bêtises, moi, je serais triste. On aurait plus le temps de lire. Bon, à 21h, elle met bas. Hein. On finira la journée avec elle et puis. Non. J'ai cru en voyant un truc long, je m'étais dit, attends, est-ce que c'est pas une. Soit un CC du Lord Enedi, soit peut-être un truc de battu. Battu, battu, battu. Ah là là. Se sent prise au piège. Un sim récent s'agangé a du mal à prolonger la même emploi. Oui, tu vas changer. Ben, accouche. Accouche, vieillis et change d'emploi. Ah. Ah bah non. Ah bah, oh. Oh bah, ah, ah bah, dis donc. Ah bah, je m'y attendais pas. Dans le Legacy, on a nos fils qui sont des ponchos avec des noix de coco en guise de tenue d'été. Mais lui, il en a. Il s'est dit tout seul aussi. La petite, elle est en train de... Enfin, ressembler à un garçon, mi-fille, hein. C'est un peu mi-figue, mi-raisin. Elle s'amuse sur la chaise. Ouais, moi aussi, je m'éclate sur mes chaises. Non, j'ai pas de chaise qui bascule. Bah, il joue, il vous fait sa life. Par contre, elle aura besoin de pisser celle-ci. J'aurais dû mettre un buisson dans le jardin. Oh, ça fait trop chelou, vous imaginez? Vous marchez dans la. Dans... Voilà, vous êtes au bord de la rivière, au bord de chez vous, je sais pas. Regardez, vous. Oh, les poissons! Oh, c'est sympa! Ah, il fait beau et tout. Oh, une fusée. Bah, non, ils sont bizarres, ils font des fusées dans leur jardin.
Nous ne sommes pas dans striptease, non, non, c'est... Oh, un vélo! Accident? Oh, de justesse, elle a failli faucher la gamine. En même temps, la gamine, elle est restée au milieu, elle a dit « Vas-y, vas-y, roule-moi dessus si tu l'oses. » Elle a pas osé. Elle est buggée parce qu'elle est avec sa... Oh, ce ventre! Bah, il y a eu. Il y a eu pire, mais. Ce ventre quand même. Hein. Parce qu'elle... Oh, elle dort sur le pouf, la pépette. Ouais, elle a la moitié du corps en dehors du pouf, mais tout va bien. Tout est normal dans le meilleur des mondes. Mon Lila, dépêche-toi. On n'a pas que ça à faire. Voilà, tu me saoules. Il y en a deux obligés. Non, j'irai pas jusque-là, mais. Perso, si je m'éclate sur ma chaise, c'est elle qui s'éclate. J'ai failli faire une vanne dans ce genre-là. Mais une fille et un garçon, bah oui, bien sûr. Oh, t'es mignon, mon petit. Tu peux vider. J'ai l'impression qu'il va ressembler à... Oh, je trouve qu'il ressemble quand même à sa mère, un peu. J'ai faim. Faim, 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 les enfants. Vote son dernier. Économie d'eau. Super. Oh, oh là là, il a eu une promotion, Dan. Alors je me suis même pas occupée de lui aujourd'hui. Oh la vache. Niveau 7. Mais c'est comme si je faisais... je grimpais les niveaux de carrière, mais pas pour Lila, mais pour son mari, quoi. Il était promu capitaine courageux. Aïe, aïe, aïe. Donnez des ordres. Ouf, mon gars. Tu vas donner des ordres à ton gosse. Comment ça, donner des ordres? J'ai jamais allé jusque-là. Hein. Faire un discours inspirant. Tu peux donner des ordres quoi, des adultes? Peut-être. Oh! À terre et faites-moi 20 pompes! Nettoyez cet endroit. Attendez, vous voyez pas. Vous voyez pas tout. C'est abusé. À terre, faites-moi 20 pompes, nettoyez cet endroit, garde à vous, courez un tour, entraînez-vous au combat. Ah ouais, d'accord, toi t'es comme ça, toi t'es... Normal. Bon, le bricolage, on est loin d'être un niveau 8, mais bon, si elle améliore les choses... améliorer... Ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Tu vas continuer d'améliorer là, par contre. Ça, avant que t'accouches, quand même, ça serait cool. Ah, ça y est, t'as... Ah, c'était ça. Tu vas améliorer les toilettes, alors. Nettoyage automatique et la baignoire. Nettoyage automatique aussi, allez. Parce que là... Ah, si! Si, si, on est remonté à 3900 simflous. J'aurais pourvu. Oh, bah, dis donc. Il va demander à sa femme de faire 20 pompes, ça va être sympa. Bravo Dan. Bah oui. Ça va mon titi? Ouais, il est stress hein. Est-ce que ce film devant les temples égyptiens des Sims 3 va te faire du bien? On ne sait pas. Si si, ça va. Tu peux discuter avec ton gosse, exprimer ton amour, mais de façon pudique hein. Voilà hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là, il y a un bambin qui pue. Qu'est-ce que... Nous réparons votre ligne téléphonique. Ne décrochez pas la prochaine fois que quelqu'un vous appelle. C'est un enfant. Attendez un peu, vous nous... C'est qui, lui? J'ai l'impression que je l'ai dans la famille, celui-là. Ah non, je confonds avec le Legacy. Ah, Yann est devenu papa. Putain, il reste que Nuage, hein. Les autres, elles sont claquées, hein, ses sœurs. Justine et Isabelle.
Aïe. Et Pepper, elle est là. Voilà, un petit tour de l'arbre généalogique, hein. C'est qui, ça? Ah, c'est du côté de Jonathan. Ah, oui, il y a quand même Marie Nimbus. Et ça a quand même continué un petit peu. Et côté aussi, bah, de Coquelicot, hein, ça a un petit peu, pas beaucoup, mais doucement. Il y a un peu moins de monde, il se sort produit à moins grande vitesse que nous, quoi. Mais ça avance tout doucement. Est-ce qu'il y a un truc? Plaisanté sur la poule mouillée. Ah, c'est vrai que c'est drôle. Alors, bain de mousse, papa. Là, je fais de la résistance à la mort. Ben oui. C'est sûr qu'elle s'appelle pas Diego, hein. Et voilà, un niveau 5 de bricolage. Mais va dormir, biche. Va faire ta sieste. Mais moi que tu sois relouqué, hein. Ouais, j'avoue, je lui ai fait demander un bain alors que... Sa mère va faire les améliorations dessus. Si avec tout ça... J'allais dire... Et si avec tout ça, elle commence pas à coucher? Nous y sommes. Ça va, Titi? Tu veux venir voir l'accouchement, mon bébé? Sortez de là, les gosses. Si avec ça, elle accouche pas... Les noobs. Pourquoi plus de deux? Eh! Eh! N'y croyez pas trop. Quatre enfants. Oh là là, et pour les prénoms. Attendez, je vais la débugger parce que ça m'énerve le truc là. J'ai l'impression que... Voilà. Vas-y. Vas-y, va, 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 va. Va, 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 va. Oh, 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 oh. Tu rires, mais rien, y'a. Anubu. Oh, j'espère pas un garçon. J'espère pas un garçon. On serait cool d'avoir une fille avec les yeux de maman. Putain, parce qu'on a les deux autres, elles ont les yeux de papa. J'ai peur. Oh putain, c'est un garçon. Oh non! Non! Déception extrême. Quatre, trois, deux, un. Bonne année! C'est Fox à une voix près qui gagne. Je suis ravie. Petit Fox Mulder qui a fait apparition dans notre... Not so Perry. Et ouais, c'est comme ça. Et 28, merci beaucoup. Bon, petit safran, voilà, je savais que ça allait jouer sur ceux qui allaient voter sur le troisième. Il y en a là-dedans. Le boudin, il sait réfléchir quand même. Tellement d'injustice. Non, l'autre bébé, ça va, oui. Ça ira très bien. Cinq gosses, moi, je me tue. Il y a déjà deux bambines, hein, bordel à cul. Alors... on va revenir sur les Sims, donc ce petit enfant, ce petit garçon va s'appeler Fox. Oh purée, hey, j'ai eu peur quand même, j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu un petit peu peur, je vais pas vous le cacher. Merci Anaïs. Petit harcèlement d'enfant, hein, vous connaissez la chanson. Ah, celui-là, il va pas passer parce que machin. Serré dans les bras. Voilà! Oh! Et voilà, c'est fini là. Ils se reproduisent plus, c'est bon. Ils ont assez fait pour la génération. Parce que là, un petit Foxy Foxon. On a échappé à Mimoulette et Sheda en héritier. Exactement. Enchanté quand même, Foxy. Ben oui. Enfin, je préfère Fox plutôt que Cheddar. Bah, Cheddar, j'aime le bouffer, le Fox, tu vois. Bah, je le laisse tout seul dans son coin, dans sa tanière. Hein. J'emmerde pas le petit renard. Les petits renards. Quatre gosses, mais qu'est-ce qui me... Mais dors, toi, au lieu de faire des siestes, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui?
moins lui se gère tout seul maintenant. Ah oui, les pancax, ils ont pourri. Et tu pourras aller faire tes devoirs toi après, hein. Manger gâteau, faire ses devoirs. Harcèlement d'enfants. La 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 la. Ça arrive, le niveau 10. J'adore les prénoms des petits, mes préférés à chaque fois. Ah, tant mieux, Alex. Ça fait plaisir. Salut, Perle, comment tu vas? Ah oui, ce sera le petit dernier. Oui, ça c'est déjà on a toujours fait en fait première les gêné rouge, elle était que il y avait que deux, une fille et un garçon. Gêné jaune, on était obligé d'en faire qu'un. Ensuite, il y a eu 3 et 3. Donc je me suis dit pour peut-être qu'on passe à 4. Pourquoi pas au moins une fois, après on verra. Sachant que la prochaine génération ce sera forcément 2. Dès que ton fils il se met à faire ses devoirs, tu iras l'aider. Bah, Dan, tu me jettes ça? Et elle, je t'ai dit de dormir, toi. Courgette, va. Bah. Allez, hop, tu vas aider au devoir. Ça, j'aurais mes deux niveaux 10. Je serais contente. Il n'y aura plus qu'à monter deux autres compétences niveau 8. Et ce sera bon, quoi. On aura fini la génération de prune, sachant qu'il suffit juste de lui faire changer de taf et c'est bon quoi. De toute façon, là elle va vieillir là. Putain, elle va vieillir, c'est vrai, il faut sortir le gâtal. Voilà le gâteau, sortez le couteau, la pièce montée, on va la démonter. Là c'est fini, hein, elle est congé. Hein. Sinon, elle va forcément vieillir donc. Peux me faire plaisir à taper le niveau 10 maintenant, s'il te plaît? Fais comme la cuisine, que ça saute 20% d'un coup, ce serait cool. Eh ben non. Bon, alors, est-ce que tu peux lui instruire des choses à ton enfant? Apprends à dire pardon, vas-y. T'as que ça à foutre. Il est fringué, mais laisse tomber, c'est dégueulasse. Est-ce qu'il est content d'avoir un petit frère? Oui, il est content! Ah, oh, ça fait plaisir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment bien avoir des petits frères ou des petites sœurs. Allez. S'il te plaît, avant ton anniversaire. Avant de vous envoyer au pieu, j'ai envie que tu tapes le niveau 10! Il reste 21%! Après, il y a un truc qui marchait super bien. Hein? C'était de dire des mots interdits. D'ailleurs, tu vas le faire. Ça, on se souvient, hein. Nunu, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était ce qu'on avait fait avec elle. Disciplinée. Sévère. Ça monte bien. On est à 80. 86. Donc, c'est nickel. Tu vas crier des mots interdits. Je m'en fous. En 4 fois, on a fini le niveau 10, les enfants. Ah, tais-toi, enfant de Satan. Voilà. Tac. Éducation. Discipline et calme. Papa! Et ton fils qui pue des fesses, en plus, t'es à côté. Elle est occupée, ta femme, là. Oh là 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 là, 92%. C'est très 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 intéressant. Tu vas créer des mots en cœur interdit. Ah, on s'en fout, nous on triche. Hein. Si jamais je loupe certains streams, je compte sur eux pour qu'on finisse avec un cheddar quand même. Bah c'est fini, il n'y aura pas d'autres. Donc comme c'est génération orange spécialement. Tu dis ou... Ah, ils sont buggés. C'est bon. Reste là. Elle va vieillir. Non, c'est bon. Allez, hop. Éducation, discipliner, punir. Non, pas punir, parce que sinon, ferme. Voilà. Allez, 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 Lila. Allez, 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 Lila, 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 Lila. Enfant de juron, c'est ça. Enfant de juron.
98%, oui. Oui. Une petite dernière, c'est bon pour la route. Petit insolent. Tu vas voir comment je me chauffe, moi. C'est vert. Tu vas hurler dessus et puis c'est bon. Ah, je suis choquée. Mais bordel, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il faut que je mette sur pause? Oh oui, c'est bon ça. Allez, tu vas souffler la soufflailler les boujaillettes. Ah là 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 là, ça c'est cool. Mais à chaque fois, faut que je mette sur pause en fait, sinon le jeu il dit oh non. Oh bon, t'as demandé ça, toi. Oh, Lilate. Oh, Lilouche. Elle va devenir vieille. Non, c'est pas vrai. Attention. Oh oui. Oh, elle a pris du cul. Je l'ai vu. Oh là là. Allez, on appelle à table, là. J'ai eu peur parce qu'il y avait son émote qui restait là, genre comme si elle allait revieillir tout de suite après, quoi. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, tout ça. Donc, nous avons maxé deux compétences. Il reste réellement que deux compétences à en mettre à niveau 8. Donc, ben, ce sera la physiologie, comme on s'est dit. Et est-ce qu'on fait la logique, le bricolage, le bricolage, on a à peine au niveau 5. Donc je sais pas encore comment. Wouah, c'est next. Hey, prends une part de Gatal, toi. Si, elle va être énervée. Viens manger, toi. C'est l'anniversaire de maman, tout le monde mange. Allez. Quaido! Qu'est-ce que tu veux? Arrête avec cette gamine. Tu vas pisser si tu veux, mais tu la touches pas. Et tu manges ton gâtal. Ça suffit, oui. Mais c'est quoi ça? C'est... Oh! Alors! Vous savez ce que je ferai quand on fera le challenge de bambin? C'est que je laisserai l'adulte gérer tout seul. Je ferai genre comme ça et on verra si un adulte, vu qu'ils sont obsédés avec les bambins, est-ce qu'ils vont... ils vont réussir à gérer, quoi. Oh là là, j'ai envie de me coucher. Il est 3h30 du mat. Qu'est-ce qui se passe? C'est un chat qui s'amuse à taper dans les murs ou... Oui, c'était juste la litière. Ils vont se faire un petit régal pour se remonter, parce qu'elle, elle a besoin. Bah toi, tu vas te coucher, tu crois quoi, là? Allez. Mais bouffe, toi. Oh, toi, tu vas me courir sur le haricot, là. Bouffe, le gâtal. Le petit, non, tu vas pisser avant. Tu iras dormir après. Non, tu iras pas dormir sur le canapé, c'est bon, on a investi dans un lit. Oh là 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 là, non, c'est pas ça que je vais faire. Coucou maman. Hein? Le bricoco, ça va plus vite oui, en améliorant tous les objets de la maison. Ouais, je pense. La vente va être déçue de pas avoir été invitée pour le gâtal, j'avoue. Oh bah ouais, zut, hein, à un moment donné, elle aurait tout bouffé. Bon, bah écoutez, elle va être surex parce qu'elle aura bouffé du sucre, mais elle ira dormir quand même. Oh gna gna, j'ai un petit frère, c'est trop nul. Bah ouais, j'aurais préféré une petite sœur, mais qu'est-ce que tu veux. Par contre, si le petit frère, il a les yeux de sa mère, c'est-à-dire comme Copper, je vais tirer la gueule un petit peu. Non, non, crac crac et pas de bébé. Non, c'est bon, on n'a pas la place, on n'a pas les moyens. Va encore plus lentement, Sunset, t'as raison. Et après, tu vas te coucher. Mais, hey, Lila. Tu dors. Lila, tu dors. Ton moulin, t'auras trop vite. Et elle, elle a pas bouffé. Mais t'es sérieuse? Oh! Ils ont quoi, ces bambins de ces morts, là? Oh là là. Et puis, elle met 10 ans à aller de l'autre côté. On va arriver à 2 heures d'épisode, encore une fois. Je suis désolée. Je suis vraiment très 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 désolée de ces conditions inacceptables du Notsoberry. 5h30 du matin. Hé, regardez, mais elle est 10 ans! Regarde, hé!
C'est du foutage de gueule, non? Elle fait du surplace, la meuf! Petite conne, ouais. Ah! D'accord, Banner, j'avais pas compris. Bonjour, madame! Bonjour, madame! Désolée d'entendre que vous entendiez toutes mes saletés, les horreurs et les insultes. Rassurez-vous, ce n'est que sur des pixels. Dit-elle. Oh non! Qui c'est qui a chié? Les quêtes de voix étaient aux toilettes, à la litière, ça pue, là. Oh. Faites des gosses, hein. Oh, quelle idée de faire un gosse, encore. Tire à te coucher. Bonjour, maman de Banner. Exactement. Je croyais que tu m'appelais moi maman, j'ai fait quoi? Pas compris. Allez, va te coucher, et puis nous on s'arrête là. Ouh, les cours de Cooper commencent dans une heure. Et bah ce sera pour la prochaine fois. On n'a pas payé les factures, on va se faire aligner. Ce sera pour la prochaine fois. J'enregistre ici. Moi je vous remercie de m'avoir regardé YouTube. Des gros bisous à vous, on se voit la semaine prochaine pour la suite du Notoberry comme d'habitude. Avec, j'espère, qu'on finira les objectifs de Lila. À maxer deux compétences tout en s'occupant des mongols, des gosses. J'ai dit mongols à la place des gosses. J'allais dire des monstres de gosses et c'est terminé en mongol. Donc c'est. C'est pas très gentil. Mais bon. Allez, je vous fais des bisous. À très bientôt. À la semaine prochaine. Ciao.